Nous allons voir comment allumer les lumières de Embo, c'est-à-dire les LED, et comment jouer avec une mélodie. Il est possible de commander la lumière et la mélodie directement de l'ordinateur. Le robot Embo doit être branché par le câble USB. On envoie la commande en appuyant sur la touche « Espace » du clavier. C'est tout l'intérêt du logiciel Scratch. En utilisant les commandes du robot Embo, nous pouvons allumer ou éteindre les LED tout ensemble ou individuellement. On peut, pour une LED donnée, afficher du rouge, du vert ou du bleu et déterminer l'intensité de chaque couleur, ce qui permet un vaste éventail d'effets. Ici, par exemple, en rouge, puis en vert et enfin en bleu. On peut aussi, évidemment, allumer les lumières pendant une durée précise. On aura donc un effet de LED qui clignote. Pour reproduire une mélodie, ce n'est pas beaucoup plus difficile. On choisit la note à jouer, indiquée dans le système anglo-saxon. On trouve facilement des tables de correspondance sur Internet. On détermine ensuite la durée d'exécution du son, un demi-temps, un quart, etc. Concluons par la démonstration d'un programme plus élaboré qui va jouer une mélodie au robot en allumant les LED. Voyons le résultat. Reconnaissez-vous cette mélodie?